Ok, c'est parti pour une nouvelle série. Ce sera une série comme on l'appelle Décousu. Épisode 1, Fight Utah. En gros, je vais m'entraîner à l'Utah parce que c'est un dinosaure qui est genre hyper fort. Mais, très fragile. Manu du 06. Je vais m'entraîner à les fights solo. Je peux pas vous entraîner là-dedans. Donc là, je me suis fait attaquer par un Dilo. Donc on va essayer de le buter. 1v1 contre un Dilo. Et le Dilo, c'est très dur, je pense. Vaut mieux un T-Rex, même si c'est long, qu'un Dilo en fait. Tout simplement. Donc, go le retrouver déjà. Go le retrouver. Je me suis fait engrainer par un Dilo. Il est où? Il est où? Petit Dilo. C'est très dangereux, le Dilo. Hein. Je pense que c'est un des pires adversaires pour l'Utah en vrai. Parce qu'il est très maniable, tout simplement. L'Utah, la force qu'il a, c'est d'être très maniable. Mais le Dilo l'est tout autant. Ah, je l'ai croqué. Merde. Merde. Ouais, j'ai eu chaud là. Ouais, c'est très dangereux. Bah je l'ai eu. Je l'ai eu mais ouais c'est chaud quand même. C'est très très chaud le Dilo. J'ai réussi à l'avoir mais putain tendu quoi. Tendu tendu parce qu'il tourne très bien et l'Utah bah, comme je disais c'est sa force c'est vraiment de très très bien tourner. Donc on va essayer de tomber juste tous les dinosaures qui existent. Ça va être très très long. Ça va être très très long mais bon écoutez... Go tenter de faire ça, hein. Dilo combat de nuit, ça me paraît cohérent. Ça me paraît cohérent. GG à moi-même en tout cas. Ok. Bon là c'est peut-être un peu gros pour moi. Il y a moyen que je ne m'en sorte pas. Mais bon. Ouais, vous voyez là-bas derrière là. La grosse tête. La grosse tête. C'est un T-Rex. C'est deux T-Rex. Ok. Non là c'est peut-être un peu trop, hein. J'avoue que ça va être un peu compliqué. Mais bon. Et quoi là? C'est quoi ça? Ah, il y a un tricé aussi, d'accord. Très bien. Après, on peut juste les rendre fous, quoi. Et après, on s'éloigne. Voilà, comme ça, il n'y a pas de polémique par rapport à Dwelling. J'ai mis 3 coups, j'aurais pu en mettre 5, hein. Vous savez, c'est les règles. C'est les règles, c'est les règles. Après, je sais pas combien de coups il faut pour tuer un T-Rex. Donc, ce combat n'ira certainement pas jusqu'au bout. Parce que. À un moment donné, je vais faire une erreur, c'est sûr. Là, j'entends un Rex devant moi. Il y a du sang, je crois, ici. Ok. Il est où? Il est où, Rex loup? L'erreur est très vite arrivée, hein. What the fuck? Là par exemple ça a failli. Eh putain, la morsure à retardement quoi. Aïe 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 aïe. Bon après voilà, là on est vraiment dans la phase d'entraînement. Hein, genre... C'est un dinosaure... Vraiment l'Utah c'est un dinosaure qu'il faut train quoi. C'est un dinosaure que genre tu peux pas être bon avec de suite. C'est pas comme par exemple comme le Giga ou genre... Le gameplay est quand même beaucoup plus simple. L'Utah t'es obligé de gérer ta marche là. Genre en combat, entre cette marche et cette marche, le speed et tout, donc tu es vraiment obligé de bien gérer les choses. C'est vraiment un dinosaure ultra skillé, Luta. Et ça j'aime bien ce qu'il est, ce qu'il est. J'aime bien ce qu'il demande un peu d'effort, quoi. Mais si tu le gères vraiment très bien, il y a moyen de tout tomber, quoi. Il y a moyen. Moi je pense en 1. Tout seul. En équipe, il faut avoir toute l'équipe qui est très forte. Donc c'est beaucoup plus dur, en vrai. Et puis il y a vraiment moyen de qu'il y en ait un qui die et que ça foute la merde dans la chasse. Donc bon, voilà, on va essayer de le train tout seul. C'est pour ça que je suis tout seul, hein. C'est pour le train tout seul. Et puis après, je pourrais peut-être rejoindre une équipe, créer une équipe, j'en sais rien. Après, je vous dis, c'est pas peut-être pas dans cet épisode qu'on fera des miracles, hein. C'est peut-être pas dans cet épisode qu'on fera des miracles, mais j'avais envie de vous montrer la progression, s'il y en a une. Parce que là, pour l'instant, bah, j'ai pas progressé vu que je suis au début de mon entraînement. Mais parce
peut-être qu'on va progresser. Et s'il y en a une, c'est cool. Ok, c'est par là-bas. Merci bien d'annoncer ta position. Ok, j'ai vu une boule noire. C'est quoi cette boule noire? Ok, un triceratops, j'ai l'impression. J'ai peur de rien, hein, je vous le dis. Il m'a vu là? Je sais pas s'il m'a vu. Ma tête dépasse? Ah ouais, un petit peu quand même. Bon écoutez, on va le tenter. Hein. On va le tenter. On va voir ce que ça donne quand on track. Wow, là, par exemple, j'ai fait une connerie. Voilà. Fait chier quoi. Il m'a pas fait trop mal. Hein. Et je sais pas, c'est un sub, un JV, j'en sais rien. Est-ce qu'il m'a fait. Ouais, non, 0,9 de blitz, pas ouf. Mais j'ai fait une connerie, je suis reparti par devant, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai fait une connerie. Ma faute, hein, my bad. C'est... D'où le train, hein. D'où le training. C'est le but. Alors, du coup, on va voir le temps de régène. Pour même pas un bleed. On va voir combien de temps ça dure. Bon, bah, c'est instant, ok. Où qu'il est, où qu'il est. Où qu'il est notre pote trike. Faut se mettre en marche lente comme ça pour pouvoir faire des demi-tours là quand t'arrêtes de courir. Alors dans une situation pareille c'est chaud hein. Là dans l'eau c'est vraiment tendu. Là je sais pas s'il me voit là. Ok, il me fait des baits debout couché. Couché. Hop. Je l'ai mis dans le mal là en vrai, non? Ouais, je l'ai quand même mis dans le mal. Il est mort? Non, il est pas mort. Il est dans l'arbre là-bas là. Je pourrais le réattaquer. En vrai, j'ai pas envie de le tuer. J'ai pas envie de le tuer, mais je pense que. Je pense que je pourrais clairement le tuer, quoi. Je pense que je pourrais clairement le tuer. Ouais, help. Je pense que c'est lui, du coup. Il y a des chances. Ah, c'est bon, je vais pas le tuer, je vais pas te tuer. Reste là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vis, mon pote. Ça fera juste un trike en plus. Pas grave, je pense que il panique et tout, genre j'ai pas envie de de tuer tout le monde non plus hein. Parce qu'après après voilà quoi, vous allez être paniqué pour devenir sur ce serveur. Donc regardez, je suis quand même gentil. Bon, on va essayer d'en trouver un autre. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires si j'aurais dû le tuer ou pas, et selon ce que vous me dites, bah prochaine fois j'agirai différemment quoi. Ou alors pareil, si vous trouvez que c'est bien de juste de gérer un fight sans tuer. Ça peut le faire, hein. Parce qu'en vrai, j'ai pas trop faim. Là, c'est juste de l'entraînement. Mais là, je m'entraîne sur vous. C'est ça le problème. Y a que ça, quoi. Y a que ça. Donc, on va essayer de trouver quelqu'un d'autre. Trike sub, c'est gérable, du coup, hein. Après, c'était un jeune sub, hein, j'ai l'impression. Retour contre le trike sub. Ils sont un peu plus nombreux cette fois-ci. Ça va être chaud. Je les ai vus devant moi, là. Ils sont où? Là, voilà. Mais ouais, du coup, ils sont accompagnés de papa et maman, j'ai l'impression cette fois-ci. Pas que je me demande, faut que j'arrive à faire une attaque éclair. Mais bon, pareil, j'arriverai pas à pousser. Hein. Putain, ils sont où, quoi? Là, il y a un trike adulte. Mais que ça, là, pour de vrai? J'en avais vu d'autres. Ils ont des co. Là, tu as perdu tes potes. Ah! Oh, toi, je t'avais pas vu, toi. Ah! Ouais, non, mais c'est trop là, wesh. Wesh. Ok, par là je peux passer et je peux croquer le sub qui est là.
C'est bien que tout à l'heure. Hein. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le même que tout à l'heure en fait. Vas-y, on est pas fou. Il est où? Il y a une petite tutelle là où je rêve. Là par exemple, je viens d'activer la marche lente. Comme ça, je pourrais faire des demi-tours de ouf. Ouais, pas besoin en fait. Ok, on continue. Je vais certainement mourir. Hein. Ce combat est beaucoup trop compliqué. Mais bon. C'est le training, c'est le training. En même temps, il risque tellement de le tuer, quoi. Oh, il y a un autre sub là-bas, là, qui est caché. Ok, je vais essayer de passer par là-bas, du coup. Hop là, les arbres. Ouais, je cours un peu à l'aveugle, là. Bon, je crois qu'ils m'ont vu. Là, obligé de marcher de temps en temps pour prendre sa stam. Ouais, normal, quoi. Là, normalement, ils m'ont pas vu, quand même. Mais il me cherche. Le sub qui est au fond là-bas. C'est ça qui est bien avec le Raptor, c'est que tu peux tellement te cacher de partout. Ça fait des combats totalement incroyables. Imaginez avec une team de beaucoup de Raptors qui gèrent de ouf. Prends le joueur qui m'a vu là. Je sais pas. Combat jusqu'à la mort, hein, c'est pas grave. Là, je vois pas, je vois pas, je vois pas là. Là, c'est problematics. Je vois pas où ils sont. Hop là! Ah, le Tyrannosaurus! Il court très vite, hein, c'est très dangereux. Là, faut que je reprenne un peu ma stam. Tranquille, caché. Dans les bois! On aurait pu mettre une musique de métal là, non? Ouais, Trek, c'est la PLS! C'est la PLS! PLS! Ah ouais, l'Uta vraiment est beaucoup trop puissant, hein. Heureusement qu'il fait aucun dégât et qu'il meurt vite. Il est où le baby? Ok, alors là il y en a deux qui sont face à moi. Lui il est de dos maintenant. L'autre il suffit juste qu'il tourne tout petit peu sur la. Sur sa gauche, il me fume. Donc on va attaquer par le. Par où? Par où, par où, par où, par où? Par là. Bah, il est recouillant. J'y vois pas grand chose, hein. C'est touffu. Il est où le Terry? Il est là. Ah, vas-y, c'est bon, les trikes et leur hitbox pété là. Je suis à 1 km, wesh. Ça c'est vénère, mais c'est une des bestioles les plus faisables en Utah. Après c'est très long, mais bon. Y a moyen quoi. Il y a clairement moyen. Au minimum de le faire chier. Minimum quoi. Bon, évidemment il m'a vu pour l'instant. Il y a d'autres T-Rex là. Après je vous dis c'est le train, hein. Y a pas moi. Y a peut-être très peu de chances qu'on arrive à le tuer d'un coup. Ça va être très long surtout. Mais bon.
Je lui mets que 3 coups, même si j'ai droit à 5, hein. J'ai pas envie d'être traité de Ass Raider. Moi, je vais juste le foutre dans la merde, il va se faire buter par d'autres Rex. Il est où? Il est là. Vas-y. Eh, c'est abusé, hein. C'est abusé, le mec il est à 6 km de moi, quoi. Ok, j'entends un truc gueuler par là-bas. What? C'était un Jilo ça, non? Ça c'est un T-Rex. T-Rex sub? Oh la victime. Oh la victime. C'était pas un Jilo, c'était peut-être un... un raptor. Aïe aïe aïe, je l'ai mis en PLS. Hop là. Eh non le Rex. Eh, je lui mets 2 coups à chaque fois, on est pas fou, hein. Même pas 3 quoi. Moi je suis pas un Ass Rider, vous connaissez? Oh, tu t'es posé. Malheureux. Avec ton Rex blanc là, qu'est-ce que tu croyais faire? Il est passé où? Il est là-bas. Ah, tu sais que t'as aucune chance. Qu'est-ce que tu fais? Tu paniques? C'est la panique! C'est la panique complète! Panique totale, wesh! Et tu sens ici? Il est mort? Ah, il est pas mort, il bouge encore. Bon, c'est pareil, je pense que je vais le laisser tranquille lui. Hein. J'aurai la possibilité de le tuer, je pense. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Couche-toi, wesh. Couche-toi, bro. Il va mourir tout seul en fait. Vas-y, me casse. Je me casse. J'espère qu'il va pas mourir. Ah, je suis gentil quand même. Hein. En vrai, je suis gentil. Si ça avait été un giga, je l'aurais tué. Si ça avait été un giga, je l'aurais tué. Mais là, un Rex. Non, c'est pareil, j'ai laissé le track vivre, donc bon. Même si c'est vrai que les gigas, j'ai une petite haine contre eux, mais bon, ça c'est entre nous. Bon, je pense que le combat était win. Mais vous me direz du coup, hein, vraiment dans les commentaires, si vous préférez que je tue ou pas, à la fin. C'est assez terrible. Il a paniqué. Il a paniqué, il est mort, quoi. Il est mort, il est mort. Je voulais pas, en vrai. Hein. Je voulais pas le tuer, hein. Mais bon, plus ouais, du coup, vu que je l'ai pas tué, j'ai mangé des IA à côté, quoi. C'est assez triste. Je voulais pas... Faut pas paniquer comme ça, fallait être couché, je me suis cassé et tout. Donc, bon, on va faire honneur à sa dépouille, on va rester à côté quand même, hein. Mais bon, ouais, je voulais pas le tuer à la base. Moi, c'est juste un entraînement, hein. C'est juste un entraînement, c'est tout. Ok, bon, on va s'organiser un fight avec ce Gali, hein. Il voulait mourir, donc tant qu'à faire... Il y a des gigas et des rex s'entretuent comme d'hab. Viens là, tu fais quoi? Ouah, tu me défonces. Bon, c'est chaud le Gali quand même. Hein. En vrai, c'est chaud. Bon, c'était un peu comme ça, bah, je l'ai croisé, il a dit tue-moi. Il était juvé, je l'ai gros. Et je me suis dit, vas-y, combat quoi. Simplement. Ça fait un petit combat en plus comme ça, inopiné. Et là-bas, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il m'a mis dans un état par contre. Wesh. Tu es quoi toi? Ouais. Non, non, les galis, c'est trop chaud. Hein. Et toi, tu reviens encore une fois, je te croque. Hein. Même si je suis dans le mal. C'est trop chaud contre les Galis. Je vous dis depuis le début.
trop chauds, ils sont trop maniables. Le danger quand les raptors, c'est la maniabilité en fait. Tu veux quoi? Je te fume. Wesh, trop fort les galis. Lâche-moi. Lâche-moi. J'ai pas envie de le tuer. Même si je sais pas si j'y arriverai, mais... Trop fort les galis, il va mourir de... Il va mourir. Vas-y, barre-toi. Tu vas mourir tout seul. Bravo. C'était qui ce galis fou là? C'est qui ce fou là? Ouais, Dieu, eh, vous êtes des tarés parfois. Je conteste une carcasse à 3 gigas. Allez, allez, battez-vous, wesh. Une disco là. Ouais, je conteste. Bah, on sait comment ça va finir cette histoire. Je vois, je suis pas bien. Hein. Au passage, je suis pas très bien, mais bon, en tous les cas, ça change rien contre les gigas, quoi. C'est du one shot. Bah, du coup, vous acceptez le combat. Et là, il peut me tuer. Hein. Et la hitbox, il peut me tuer d'ici. Avec la hitbox là ils peuvent me tuer, je les vois pas mais ils peuvent me tuer, on le sait très bien. Bon, je pense que ça sera le dernier combat, le dernier training de cette vidéo. Parce que bon, en vrai j'ai pas beaucoup de chance de m'en sortir. Ils sont où là? Ils se cachent? Ils sont perdus de moi? Je crois hein. Ils sont... Là il y en a un là, on voit sa petite tête. Toi aussi je t'ai vu. Là, ce qui est dangereux c'est qu'il y en a derrière quoi, tu trouves que je t'ai pas vu? Ok, on se remet en crouch. Non, on va pas se remettre en crouch, on se remet comme ça, histoire de reprendre un peu stam. Là, je peux attaquer par la gauche, mais je sais pas s'il y en a à sa droite. Et je disparais dans la forêt. Alors lui, il est dos, faut faire gaffe aux autres, en fait. Ok, il y en avait un là, tu vois. Dangereux. Et je disparais dans la nuit noire. Évidemment, je n'ai droit à aucune erreur. Ouais, je te vois. Hein. Ok, je disparais derrière ce petit bug. Tous les gros. Ouais, ici, la map est totalement éclatée. Hein. Peut-être que ça, c'est du blitz. Hein. La tâche qui est là au-dessus de moi. Là. Le truc, c'est dans la nuit, j'ai un... petit peu l'avantage. Ah ouais, là il y a du blitz là. Trois crocs, pas plus. Pour pas qu'il y ait de polémique sur cette vidéo. Même si c'est 5, hein, je vous rappelle la règle c'est 5. Peut-être que je commence à le mettre dans le mal, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un peu le combat de l'extrême quand même. Hein. Je sais pas si je régène plus vite ma stam que eux leur bleed. Là il y en a un derrière lui. Peut-être un qui est couché, je sais pas. Ok. On désengage directement. En gros, j'ai un pouvoir de nuisance assez extrême. Mais pour les tuer, c'est quand même autre chose. Hein. Surtout que je sais pas lequel je frappe vu qu'il fait nuit. Donc je dois les frapper un peu tous. Peut-être que j'ai tué les trois. Je leur mets clairement pas assez de crocs pour leur faire mal. Hein. Je pense que les crocs que je mets, ils régènent direct.
Oh là c'était dangereux. Là j'ai fait une erreur. Ça a pas payé pour eux, mais j'ai fait une grosse erreur. Une grosse et une grossière erreur, je dirais même. Je regarde un peu ma stam. Ok, il y en a un là. Ah vas-y, c'est bon quoi. J'étais encore dans ses pattes, il me tue. Oh là là. C'est terrible, hein. Franchement, c'est terrible. Déjà que le jeu est très très dur. Bah quand t'as Nuta et que t'es contre 3 gigas, c'est normal. C'est dur, mais si, ça fait chier quoi. Ça fait chier parce que ouais, j'étais au niveau de son genou et il m'a buté. Hein. Bon après c'est comme ça, c'est le jeu, faut faire attention. Là j'avais pas activé ma marche lente justement. Et du coup mon demi-tour je suis allé un peu en avance. Bon on continuera l'entraînement dans une autre vidéo. On essaiera vraiment de tomber cette fois-ci des gens quoi. Ou je sais pas, peut-être continuer juste à s'entraîner pour vraiment essayer de le gérer à fond ce tard. Moi c'est mon objectif là. Là c'est mon objectif. Donc j'espère que vous avez kiffé un peu tous ces combats. Ouais, il n'y aura pas d'histoire, ça sera juste du fight. Et du training. Training Utah. Bon, allez, hein, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Tchuss!